L'Algérie, l'État terroriste. Il faut arrêter le mafioso Khaled, le fils du président algérien Abdelmjid Tebboune. Dans les salons d'Alger, on ne parle ces derniers mois que de Khaled, le fils du président algérien Abdelmjid Tebboune. Selon les sources d'un média fiable au Maghreb, dans la capitale algérienne, le sulfureux Khaled Tebboune se serait beaucoup rapproché de l'homme d'affaires franco-algérien Khair Alab, basé entre Londres et Paris, et ex-beau-fils du défunt général Smaïn Al-Ammari, le patron emblématique du contre-espionnage algérien durant les années 90 et début des années 2000. Les deux acolytes s'activeraient notamment comme intermédiaires dans les domaines du pétrole et des phosphates, où des sources européennes parlent d'énormes commissions versées, notamment par des sociétés chinoises et turques, sur des comptes offshore à Dubaï. Les deux hommes seraient épaulés par le fils de Boualem Boualem, le puissant conseiller du président Abdelmjid Tebboune. Khaled Tebboune a été emprisonné pour corruption en juin 2018, après la découverte quelques jours plus tôt, le 29 mai, au port d'Ouahran, d'une cargaison de plus de 700 kg de cocaïne. Impliqué dans ce dossier avec l'homme d'affaires Kamel Chichi, le patron de la société Donia Meat, spécialisée dans l'importation de viande congelée, Khaled Tebboune a été acquitté en février 2020 suite à l'élection de son père comme président de la République algérienne à la tête de l'État terroriste algérien, suivi et dirigé avec une main forte derrière les coulisses par les criminels caporaux, les généraux des années noires, de la décennie noire, qui ont tué plus de 200 000 Algériens en leur tirant des balles dans le dos. Thank you.
Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemcen. Avant de commencer, je voudrais remercier l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemcen. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné, c'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemcen. C'est pas cher, c'est juste 3 € à peu près et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône « Rejoindre » juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats, lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemcen et bienvenue à vous tous. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemcen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'uyun maghribiya, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant. Un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Isli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes. Et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazir, la chanson amazir que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les, mais restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemcen, la chaîne principale, qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez, chacun en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemcen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'uyun maghribiya, mais aussi abonnez-vous à Isli Amazir, Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.